the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Passez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton. La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Quel talent, Joe. Jack, fini les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Du somnifère pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, pot de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des coltes en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! Cet imbécile a mangé le somnifère! Monsieur Luc! Hey, monsieur Luc! Dalton évadé, stop! À tout de suite, stop et fin! Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul état où nous ne sommes pas encore recherchés! Chance, good fellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attends! Au revoir, les pigeons du Colorado! Bonjour, les poires de l'Utah! Évasion classique! Lime cachée dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger rentemplant? Ah, fumée de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les quatre musiciens sont partis en tournée. Non, rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez,
Là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, blanc bec. Bah, qui ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces faims. Quoi, ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres! Bravo! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande deux doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, elle s'est rendormie. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Cree. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost, mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français? Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un vieux, un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets, les femmes. Mes amis, aidons les Français! Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo! Bravo! T'inquiète, c'est le moment. Ah.
Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup... Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés! Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche! Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici! Aucune charge n'est retenue contre nous! Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte! Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces crouches de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis! C'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres! Bravo! Oh, quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça! On me dit jamais rien, moi! Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. Youpi! Ça marche! Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luke. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est bon! C'est beau comme du bon pain. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes impur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et quatre Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de deux jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon! T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Hé, vous avez vu? Y'a pas de barreau! Avril, la ferme! Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avrel. Il dort comme une smouche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie, quel charisme. Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oui, le bon chien-chien. Donne la papate, le bon chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc! C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc.
Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami! J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh! C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisante. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez? Ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. Ta-ta-ta, j'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter? Oh, moi, je chante à l'église, mais pour un spectacle, je... Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous, on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi, je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Après le coucher, d'or. Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières reporties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour notre plus grand valeur. Et quelle mélancolie dans cette opérette. Nous avons dans votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continuez de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez-vous aussi au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nos patrons. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent, il faudrait le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène. Ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de la vengeance. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, ben moi aussi. On a eu la même idée. Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luke, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe? On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nos paradis.
C'est le plus beau jour de ma vie. Pour le plus grand malheur. Et c'est ainsi ton cœur. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout repartir. Malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec Larset? J'étais disposée à partager entre ses pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe. Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps. Qu'est-ce que j'ai raté? Ce liquide à l'eau, c'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qui ont faim dans le monde. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Señor, señor, olé, señor, olé. Aidez-moi, ils veulent pendre mon maître. Quick. Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. À l'hiver, on a... C'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous pendriez un fou? Ben... Oui. Hein?
Bah non. Filon. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Oh. Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise suite de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolly. Cette auberge. Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de l'art? Non, des livres pour lire. Moi, j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie. Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous. D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Abdulciné. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Melki d'Aphodil. Ouais. My youngest has a farm, E-I-E-I-O. On his farm he has a dog, E-I-E-I-O. With a here, there, anywhere. Oh, my Donald has a farm, E-I-E-I-O. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. Oh, c'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à face, à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plutôt.
C'est sa façon de se battre en duel. Prêt ? Bon ben, sans rancune. Ça compte pas ! On recommence ! Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Oh, quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors, excuse-toi. Quel type? Bon, ben, j'excuse. Je vous offre un remontant. La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir! Je vous rendrai votre bien, dussé-je combattre 1000 dragons! J'ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamousse? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Maspamousse vont le mettre en pièces. Allez-y, je vous couvre, seigneur. Oh. 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 Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule, chef de Namaspamousse. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grande asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grande asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux Namaspamousse vivent en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi grand asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de grand asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! Chut, c'est moi, votre écuyer. Chut. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Ah! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes!
Oh, qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Bien, les voies du Grand Manitou sont souvent impénétrables. Oh, qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié! Je suis chatouilleux! Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon. Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle est sûrement très bonne à tam-tam-boum-boum. Il insulte ma reine de beauté. Tu me rendras compte, tout roi que tu es. Le voilà. Si Okikul me dit que c'est la main du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là... Les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non. Faites quelque chose, Seigneur Luke. Fouché? Santa Maria. Oh. C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se pèle la tête des Namas Pamous. Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong. C'est bon. Seron, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du chevalier noir. Ouais. En route. Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non. Déchéant. Taillant. Déchéant. Ils agitent leurs bras. Tenez bon, j'arrive.
C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée ! J'ai failli. Le chevalier noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus ! Sus ! Sus ! Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulcinée du maître, j'y a double pif menu. Sire John, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volée. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. Allez, assez perdu de temps. Flinguez-moi ces clowns. Mes Colt, mais comment j'attrape mes Colt? Chargez! Aïe, bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Toi, chevalier noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau. Allez. Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Don Quichotte. Je suis le chevalier blanc. Je te défie, si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Yeah! Yeah! Ah, Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous
Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy. Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On va te trouver un docteur en ton plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Pingpik, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot, Yihing Yihang. Lucky Luke, cowboy américain, voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et... rentre en plan. Votre otari a besoin d'eau. C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux. Li Pingpik est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train, si elle est mal aiguillée. Elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Pingpik. Ne vous en faites pas, Li Pingpik. En templant n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs ont mauvaise mine. C'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Li Pingpik. Et docteur Witty Titfeather, comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. Rien à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Qu'est-ce que je disais? Un début de scoliose. Et le foie, ça doit pas être joli joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Pingpik, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Li Pingpik. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs.
Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux? Avec la toxine du docteur Doxay, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxay. Et un miracle à 1 $, c'est... de l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxay. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos? Elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, 1 $ seulement. J'en prends une. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Tittfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Étranger, moi aussi tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais. Aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrowmind, je lui ferai cracher son or à ce d'un état de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Oh. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Leaping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y, mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Oh, hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui! Cool Pod! Ouais! J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit! Oubliez ce charlatan! Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines, la toxine du docteur Doxay! Ce type est un escroc. Calomnie! Shérif, je vous prends à témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ça dégage le nez, ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est gouléant. 1 $ seulement. Ne nous battons pas. Tant qu'il y aura des dollars, il y aura de la toxine. Sachez que le docteur Whitty Tittfeather consulte dès 14 h. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'état de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier, ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien! La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testez et approuvez. La doxine, 1 $ et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh!
Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de Camelot exotique? L'humble Leaping Peak a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Oh! Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme! La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Peak de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé, ô loyal défenseur de la médecine et du chinois. Aïe, qui m'a marché dessus? Demandez la doxine du docteur Doxay. Une bonne rasade et c'est le retour du peps. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos. Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon. Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la doxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle en blouseille? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de cochon! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais. Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselles. Elle m'a agressé. Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne doxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat. Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la doxine. $1 seulement. Bravo. Grâce à votre chien, Doc, c'est triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Oh! Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien, vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort, c'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, j'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour toucher Pierre-Canne, ouais, le pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les ping-ping. J'insiste. C'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotte de buff, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de Cherokee. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon?
Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Ah, je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas à son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer? Moi, je veux bien. Hey, chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval. Du foin. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau. Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'ils se moquent de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Oh! Couse de bison! Glande de putois! Assassin. C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-le. On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Pig. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-la, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite! La mine s'est effondrée! C'est la mine dans le timer! Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne, il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxil d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. Mmh.
d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond. Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous, vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave. Ben, nous, on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein. La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver. Mon pauvre vieux. Attendez. Allons, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégés. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre. J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'oxyne. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Bah, on le branche. C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Pff, il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le pende. Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez? Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai
calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Tiens, il est midi. Je mangerai bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocolis. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné. Calme, Joe. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Assez charmante danseuse, à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Bravo! Ouais, bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro, une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Ouais Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Kelluc! Encore les Kelluc! Toujours les Kelluc! Du calme, Joe! Les Kelluc! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêchant de s'évader en bon! Je suis le grand mage Averell Ishnou, Dalton Ipu. Petit homme colérique, laisse-toi guider par Averell Ishnou. Yappé, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Pas lui! Pas lui! Et maintenant, le grand mage Averell Ishnou Dalton Ipu va, sous vos yeux, ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Averell, c'est déjà fait. Menottes, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi! Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant! Mais bougez-vous, bon sang! Allez me chercher la clé! La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là! La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez. Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non,
Non, Long Neck, c'est ça, Long Neck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles. Ah, oh, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Long Neck et qu'Avrel les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution, le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Long Neck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflardes. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première occasion, je te descends. Contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessin qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous, vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars? En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi! Abri, abracadabro! Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi! Hé, hey, les Dalton, comme vous avez un lit de libre, je me suis dit qu'on pouvait... Marché, je suis fakir. On n'aura pas de mal à les retrouver, il n'y a qu'à suivre les traces. Alors Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luc, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois! Je vois!
Un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Oh, oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Longneck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, oui, il est passé, monsieur, il y a deux jours. Il est parti vers l'ouest. Ah ! Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe ! Joe ! Joe ! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. Joe ! Joe ! On va passer la nuit ici, et demain on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars ? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça c'est quoi ? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture ! Alors, Joe, bien dormi ? Je t'aurai, Luke. Qui voilà ? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez ? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. Etc. Taré. Attendez, attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank, Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck. Allez donc voir à Robert Gulch. C'est un point de passage obligé. On y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, out. Bonne chance. Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh, c'est moi, Joe Dalton. Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest. Et je suis avec mon complice, on s'est évadé. À quoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre. Et s'ils te pendent, tu seras mort. Et moi, eh ben, j'irai danser sur ta tombe. Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien. Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu. Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça. Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arrive. J'y arrive. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant.
Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler! Vous sentez, les gars? Quoi? Les patatos là! Par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurais tué, je le tuerais aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rentemplant. Hep, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Bon, ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke, vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke, personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada, et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans, et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luke. Tant. Chut. J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck, bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Je présume. Ah! Mon nom est Lucky Luke et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé, c'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Je vais y arriver! Oh, je vais y arriver! Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule! Ah!
Mon char. Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage ait un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, il fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Abel! I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe. Commodore. Bien joué, old boy. Ah, old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors, ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancez. $1 d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Oh! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Talula. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Je ne sais même pas votre nom. Luc. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité, entre les gens de... Je ne sais pas si madame... Mais si, mais si.
C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin, transporte sa monture. J'accepte. Bravo, Zilch. À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces! Talula voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Une atroce migraine. Se remarier à 60 ans, quelle erreur. Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. Oh. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? Jésus. Oh. Ah oui. Il faut passer. C'est gros cylindré, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy.
Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison, grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au grand burlesque d'Albany, que j'ai sacrifié pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbutt Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh, tiens, Buster! Hey, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Lula, c'est son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons face des prospères. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse. C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui.
le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco ? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé ? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable ! J'avais la même petite fille. Cet humble gars vous ferait plaisir, ma colombe ? Je la veux, je la veux, je la veux ! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Ouais ! Vous aimez énormément les gares ? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch ? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coût des gares, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamamra 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le béaba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous ? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de corde. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. À son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme, soi-disant, pour travaux, d'accord ? Admettons, et alors ? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose.
Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial, peut-être. Légal, j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. La combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull. Tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à trois. Plutôt crevé, tu entends? Un, deux... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages! Après tout, ces garçons sont à moi! J'en dispose comme je veux! Je crois que nous allons faire affaire! Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Talula! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles ne me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Yeah.
pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. C'est ici, monsieur le sous-chef de cabinet. Ici? Mais il n'y a rien. Une base secrète, ça doit être secret, monsieur le sous-chef de cabinet. Nous y sommes. Bienvenue à Dark Mesa, monsieur le sous-chef de cabinet. Si vous voulez vous donner la peine de monter, monsieur le sous-chef de cabinet... Vous pouvez m'appeler chef, entre nous. J'attendais le ministre. Je suis son plus proche conseiller. Il a toute confiance en moi. Dambi, on ve comme prévu. Prêt, Herr Professeur? Ya, vous pouvez lancer la musique. Présenter l'arme en solu qui m'a demandé 10 ans de recherche à un simple sous-vivre. Ils me paieront cette humiliation. Bonne nuit, Docteur Bretzel. Monsieur le chef, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, l'arme secrète? L'invention qui doit rendre invincible notre glorieuse armée américaine? Un caleçon à poids. Le ministre sera ravi de la prendre. Désolé de troubler ta sieste, amigo, mais je suis à la recherche du ranch de John Doe. Ça fait 35 ans que je dors dans cette ville et je n'y ai jamais rencontré de John Doe, gringo. Pourtant, je suis bien à Gloomy City, au bord du Rio Grande, près de la frontière mexicaine. Si je disais le contraire, je mentirais, gringo. Hey, old-timer, vous connaissez John Doe? Je dois me rendre à son ranch. Un troupeau de vaches à convoyer. T'es un comique fiston. La dernière fois que j'ai vu un troupeau de quelque chose ici, c'était des touristes de la côte est. Ici, étrangers, on a des Nathanels, Biginski, des Aloyus, Moonsteindampfer, mais pas de John Doe. Et les seules vaches qu'on trouve dans le coin, c'est en morceaux bouillis dans les assiettes de la cantina. Merci quand même, shérif. Désolé, old chap. On nous a fait une mauvaise blague. Tu as galopé pour rien. Pas trop déçu? Pas du tout. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai vu Gloomy City. Il a disparu. C'est louche. Vous cherchez quelqu'un? Pitié, pas taper. Un peu quand même, pour marquer le coup. La féminité n'est plus ce qu'elle était. J'aimerais savoir pourquoi deux jolies filles comme vous s'intéressent à moi. Où êtes-vous, Coyote?
tutoie serait plus approprié. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rendez-vous à minuit au Grand Ponton. Demandez au pêcheur si ça mord, il vous répondra... Les zèbres ne quittent jamais leur pyjama. Et c'est sous l'écorce qu'on voit l'arbre. Qui vole un œuf, vole un bison. Vous êtes bien Lucky Luke. Il suffisait de demander, c'était moins fatigant. La procédure, c'est la procédure. Mésange clouté à pouce à l'acier, le collier est là, vous pouvez monter. Oh ! On trouve de drôles de poissons dans le Rio Grande. Herr Luke, bonsoir, bienvenue, montez donc. Entrez, mein Liebchen. Faites comme chez vous. Oh, quel honneur pour moi. Accueillir les célèbres Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Boum, boum. Schuldigung, mille excuses. Mais nous avons dû inventer cette offre d'emploi des chondos pour vous attirer ici. Vous avez bien fait, j'adore voyager. Ah, vous êtes à l'intérieur des Frida. Je suis le modeste concepteur de ces sous-marins, véritable symphonie des modernismes et des technicités. Frida a été vouée à devenir les nouveaux QG des services secrets américains. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Trop humide! Mon sous-marin, trop humide! Je vous le demande, Herr Luke. Pourquoi m'avoir fait venir? Je me présente. Otto Bretzel, chef du département gadget des services secrets. Merci pour la soirée, Monsieur Bretzel. J'ai beaucoup ri. Je suppose que la sortie est à la même place que l'entrée. Attendez, Herr Luke, vous n'avez pas tout vu. Messieurs, je crois qu'il est l'heure de votre patrouille. J'ai à parler à Herr Luke. Horace Twinface. Un renégat qui a trahi nos services pour se vendre plus offrant. Satané bouse de cow-boys en formation qui veut se retrouver agent de première classe. C'est fatal. Dès qu'on élargit le recrutement, le niveau baisse. Une grenouille géante! Il y a un type dans la grenouille. Horace Twinface est d'une grabule de la pire espèce. Vous avez de la chance, l'ami, les services secrets s'occupent de vous. La braguette du scaphandre. J'avais la braguette du scaphandre ouverte. Il ressemble à Horace Twinface, tu trouves pas? Ah oui, c'est dingue, la ressemblance. Mes amis, votre perspicacité me sidère. Vous devriez être agent secret. Crotte, mon pistolet ligoteur est mouillé. Heureusement, il est multifonction. Il y a 15 jours, il a lâchement dérobé mon chef-d'œuvre, les prototypes des armes la plus extraordinaire de tous les temps. Que voici? Un costume à carreaux. Je vois que vous n'appréciez guère la fantaisie. Mais laissez-moi vous faire une kleine démonstration. Vite, prenez votre colt et truffez-moi cette bestiole de plomb, Herr Luke. Dans Geyser. Ben oui, Monsieur Bretzel. Mais la nuit, je préfère dormir plutôt que de tuer d'innocents lézards dans des engins sous-marins. Amusante, hein? J'ai inventé les costumes invincibles. J'ai un tissu magnétique dont les champs électriques repoussent les balles. Je sais, c'est simple, mais il fallait y penser. Twinface a l'intention de revendre mon invention à Elmastar, à une crapule qui se prend pour un général et terrorise la région des Piedras Negras. Imaginez ces bandits mexicains avec son armée des mercenaires devenus invincibles fonçant sur les États-Unis. C'est évidemment plus effrayant qu'un invincible bandit américain fonçant au Mexique. Herr Luke,
Votre mission est simple. Rattraper Horace, les capturer et les ramener avec les costumes. C'est le seul moyen d'éviter un conflit avec les Mexiques. Ce soir, menu exceptionnel pour les petits poissons. Purée de savon allemand dans sa croûte de sous-marin avec sa ratatouille de cow-boy et d'agent secret. Ils sont bien gros, vos appâts, l'ami. Ah oh. Accident du travail. Oh. Bon, d'accord. Je vous rapporte votre costume avant qu'un clown ne l'endosse. Ce soir, natation, old chap. Chouette. Prenez garde, Herluc. Twin Face a également dérobé d'autres gadgets de mon invention. Des armes terribles. Des plus, il est vicieux comme un vautour et cruel comme un gros dalle. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus. Fléchette à la strychnine, je sens que ça va te plaire, Luc. Merci de m'indiquer le chemin, Coyote. J'aurais dû lire plus attentivement le mode d'emploi. Je t'ai connu plus rapide à l'escalade, Jolly. Manque d'entraînement, cowboy. Mini-obus et dispersion de colle. Parfait. Tu vas te décoller, sale bête. Mon cabriolet à vapeur. C'est pas un cow-boy, c'est de la glu à cheval, ce type. Allez, un coup de galop vapeur. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie avec lui. Formidable, cette voiture sans cheval. Le problème est assez épineux. Je veux faire une affaire juteuse et Lucky Luke veut tout faire pour m'en empêcher. Il faut donc absolument que j'arrive à me débarrasser de ce Lucky Luke. C'est bon d'être intelligent. Buenos dias, Emiliano. J'ai un petit boulot pour toi. Dire que j'ai dû brouter un cactus au petit déjeuner. La prochaine fois que je voyage, j'emporte mon herbe. Hello, amigo. Buenos dias, estoy contento. Avez-vous vu un type au visage de fouine dans une carriole fumante sans cheval? Buenos dias, estoy muy contento. Oui, tu es bien content, j'ai compris, muchacho. Buenos dias, estoy muy contento. Encore 10 mètres et Luc ne sera plus qu'un souvenir. Buenos dias, estoy muy contento. Buenos dias, estoy muy contento. Buenos dias, estoy muy contento. Ah! Explosion! Explosion! Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy contento. Mais c'est pas vrai, aucun de ces gadgets ne marche! Buenos dias, estoy muy contento, buenos dias, estoy muy contento. À l'abri, Jolly! Raté! Pas la peine de se fatiguer, old boy. Autant aller l'attendre tranquillement à Piedras Negras. Gringo, hein? Ta vie est en danger. Pardon? Tu fais de l'ombre au portrait del général. C'est un crime qui mérite la pendaison. Gracias, amigo. Je tâcherai de faire attention. Parle moins fort, Gringo. Le général, il a interdit le tapage diurne. Attention, Yankee. Les sabots de ton cheval envoient de la poussière sous les affiches del général. Tu risques la prison à vie. Merci du conseil. Malheur à toi, Gringo. Ne regarde jamais le général dans les yeux, même sur un affiche.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sans gêner votre général? Malédiction, gringo! Prends garde! Il faut dire El Général! Encore une ville de fous. Qu'est-ce qu'il y a, cher gringo? Un Elmastar spécial ou un extra Elmastar? Soyons fous. Je vais tenter le spécial. Bravo, vous aviez une chance sur deux. Que vois-je? De l'herbe ici? Attention, amigo. Tu brutes une herbe qui appartient à El Général. Et l'extra, il est comment? Et ton cheval dehors, Yankee. Si je disais le contraire, je mentirais, amigo. Alors tu vas monter dessous et nous suivre. Je suppose que je suis invité par El Grandissime Excelencia. Prononce son nom avec moins de sarcasme, gringo. Sa grandissime excellencia, El Général n'aime pas les sarcasmes. Ah, El Yankee. Tu vas aller, j'ai à parler à faire. Bienvenue, amigo. Bienvenue chez El Général. Baissez vos armes, stupidos. Vous osez menacer mon ami El Yankee. Gardez-vous. Alors, cette arme secrète, où est-elle? En lieu sûr. Tu es un malin, gringo. Tu veux que je paye pour voir, et moi, je préfère voir pour payer. Mais j'aimerais d'abord me reposer. J'ai fait un long voyage pour vous apporter cette arme extraordinaire. Tout ce que tu voudras, Yankee. Qu'y a-t-il pour ton plaisir? Ordonne! Pour commencer, mon cheval aime bien se faire manucurer les sabots et étriller à la brosse de soie. C'est comme si c'était fait. En contrepartie, dis-moi un peu plus sur ce costume qui rend invulnérable dont tu parlais dans ta lettre. Dis-moi, dis-moi! Il rend invulnérable. Excellent! Avec ce costume, je deviendrai le maître du Mexique. Puis, j'envahirai les États-Unis. Et puis, je fonderai alors la masterie qui s'étendra sur toute l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et même l'Asie. Je serai le roi du monde! Mon général, me voilà! Désolé pour le retard. C'est comme ça que vous montez la garde de vous autres? Mille pardons, seigneur général. Descends de là, gringo. Je vais décorer mon jardin en t'accrochant par les orteils. Mais, général, c'est moi, Horace Twinface. Je vous apporte l'arme secrète, comme convenu. Deux Horace Twinface. Ça en fait au minimum un de trop, ça. Allez, les comiques, main en l'air. Lucky Luke. Lucky Luke, comment as-tu osé abuser El Général? Je suis chargé par le gouvernement des États-Unis de ramener ce traître et ce qu'il a dérobé. Liquidez-moi ces coyotes gluants. J'ai dit main en l'air, tout le monde. Horace, le costume. Surprise! Tu veux l'essayer? Ne gêne pas, tire donc. Allez, à mon tour. Vas-y, muchacho, massacre-moi ces gringos visqueux. Allez, grimpe, cowboy. Fichu crâton fer, il est enrayé. J'espère que ton costume, il marche mieux que ton pistolet, gringo. Ah, ça y est. Et votre charrette, vous la vendez? Tout est à vendre, général, ça n'est qu'une question de prix. C'est bon d'être vénal. Le temps se gâte, old boy. Vite, montez. Hé, hey, toi, où est passé El Gringo? Quel gringo, seigneur général? Dégage de là, estúpido! Ce maudit gringo s'est volatilisé. Il va revenir avec toute l'armée américaine. Bah, vous serez désormais invincible, moyennant une somme exorbitante. C'est vrai, ça. Muchas gracias. Et le costume? Les ministres m'ont remercié. Vous vous rendez compte? Au lieu de me remercier, il m'a remercié. Il me faut ses costumes, Herluc. C'est ma seule chance de cesser d'être remercié et d'être rétabli dans mes fonctions. Je vais y retourner. Laissez-moi le temps d'échafauder un plan. Vas-y, chose, ma libre volcan. On dirait que votre costume invincible rétrécit au lavage, cher professeur. Ah,
Je suis invincible. Bravo, gringo. Tu as bien mérité ta récompense. Ma plus grande joie, c'est la satisfaction du client. Hélas, je vais devoir vous quitter. Lucky Luke! Wow, je suis ici. Ah, laissez-le-moi. Un costume de clown, un gag de clown. Ah, ton crâne me fera un beau presse-livre, gringo. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah, on m'assassine. Caramba, enlevez-moi ça. Comme quoi on peut être invincible sans être imperméable. Oh, Sweet Face, on t'a reconnu. Excellent dire, monsieur Luke. Avec des hommes de votre trempe et mon génie, nous aurions les meilleurs services secrets du monde. Ah, enlevez-moi ça, maldito Yankee. Ou j'étais... J'étouffe. D'accord, ça rétrécit au lavage. Mais il suffit de ne pas les laver et de faire la guerre quand il ne pleut pas. Ah, le président sera content. Horace, Winfield, enfin capturé et les costumes retrouvés. Que diriez-vous d'un emploi fixe, monsieur Luc? Monsieur Luc? I'm a full lonesome cowboy. Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue. Ça que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carnet ou paella, honorable charpentier. Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptible représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. C'est un casse. C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Li Chu? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les trois que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennuis. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces trois vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle.
Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herb? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Non, Tingles, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va enfin rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, Coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, et le goudron et les plumes, trop fort. Hey les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Licky Luke. Licky Licky. Toi, on t'a rien demandé! Tiens, d'habitude, c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui rackette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin! J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien, c'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une cinquantaine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée! J'ai ici une tenue de rechange. Parfait! Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh! Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pend à mon cou et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus.
Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Ah, nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Hein? Disparu. Courage, Chin-Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin-Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Oh, personne n'a vu les âmes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier liki-liki. Rouvrir la blanchisserie et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Liki Liki et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre? Y en a 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres. C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos du poisson-chat. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Mouep. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux! En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. Stop.
merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky, Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Lichou. Malheur! Mais c'est mon citron à l'envers! Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slicorn! Ils nous ont foncé dessus, c'est des fous dangereux! Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est la corde assurée. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, ya, noble conquête! Décampons, fidèle coursier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et maître ses concitoyens. C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coup et blessure, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le loge. Archer, blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, yéhaw ! Chef ! Chef ! Il s'enfuit ! Qu'est-ce qu'on fait ? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Licky Licky, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens, tiens. Slicorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slicorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Lichou, mon inestimable tonton vivant,
Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux! C'est autre chose que vos coulisses! Laissez échapper deux moutons et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin-chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Licky Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy! Oh non! On fonce droit sur la ville! Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Le frein, le frein. Le frein de l'air. Chin-chin! Lichou! Licky Licky, regardez ce que j'ai attrapé! Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas ça pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky Licky. I'm a poor lonesome cowboy. We'll be right back.
The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Crooked Creek, 712 habitants, taux de criminalité le plus bas de l'Ouest. Deux arrestations pour ivresse en 8 ans. Apparemment, le taux de criminalité est en train de grimper à toute vitesse. Allons-y. Frimeur. En vacances? Quand le Dalton est là, le shérif s'en va. Les Dalton? Si vous essayez de nous suivre, nous reviendrons pour raser la ville! Mazette! Mais ce serait pas le sensationnel Lucky Luke, le dernier chevalier de l'Ouest? C'est un grand honneur. Permettez-nous de nous présenter. Joseph Looney pour vous servir. Et voici Gilliam Looney, Jackson Looney et le petit dernier, Everett Looney. Autrement dit, les Looney Brothers, comédiens ambulants. Nous avons eu la joie d'interpréter devant vous notre rôle le plus célèbre, celui des frères Dalton. Vous jouez là un jeu dangereux, messieurs. Absolument pas. Nos armes étaient sarvées à blanc. On vous a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais que vous ne pouviez pas être les Dalton. Vous avez un cheveu sur la langue. Oui, on a tout de suite vu que vous étiez des acteurs. C'était archi évident que vous n'étiez pas les vrais Dalton. Oui, en fait, on a fait semblant d'avoir peur. On n'est quand même pas des imbéciles! À présent, mesdames et messieurs, les modestes saltimbanques que nous sommes, vont passer parmi vous pour demander une tout aussi modeste contribution. Bravo, beau spectacle. Très réussi la ressemblance. Venez, je vous offre à boire. Revenez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. Des faux Dalton, comme si les vrais ne suffisaient pas. On peut pas continuer comme ça, Joe. Ouais, casser des cailloux le jour et creuser des tunnels la nuit, faut qu'on dorme un peu. Ça fait au moins le 20e tunnel qu'on creuse, et à chaque fois on retombe dans notre cellule. C'est devenu un vrai gruyère là-dessous. Du gruyère? Où ça? On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici! On aurait peut-être pas dû creuser autant de tunnels. Vite, c'est le moment ou jamais.
Et vous? Au sud. Eh bien, bonne route! Et bravo encore pour votre aimable participation! Lucky Luke! Lucky Luke! Un télégramme pour vous! Ah, il ne manquait plus que ça. Merci, shérif. Mon vieux Jolly, devine quoi? Les vrais Dalton se sont évadés. C'est reparti pour un tour. En route! Que se passe-t-il? Tiens, je croyais qu'ils étaient partis. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils ont pas peur? Nous sommes les Dalton! Les Dalton! Ils sont impayables. Avec des vraies balles maintenant. C'est pour le faire plus réaliste. Fini de rigoler, envoyez la monnaie. J'ai aussi des lingots sous mon matelas. Vous prenez l'échec? Oh, flûte, j'ai failli oublier de vous donner ma montre. Ils sont drôlement sympas par ici. Tunny, la clé du coffre de la banque. Faites attention à ne pas le rayer. Si vous voulez bien me suivre. C'est les derniers sacs, Joe. Parfait, on se tire. Vous ne restez pas déjeuner. Ils étaient beaucoup plus convaincants ce coup-ci. Et ils n'ont plus leur feu sur la langue. Oui, c'est vraiment des pros. Ah, et puis surtout, il y avait moins de dialogue et plus d'action. Ils devraient bientôt faire demi-tour. Oui. Là, ils nous font croire qu'ils ne reviendront pas. C'est pour faire plus réaliste. Quel réalisme! Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. Ils devraient plus tarder maintenant. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on s'est fait avoir. Pourquoi je leur ai donné la clé? Pourquoi? 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 Pourquoi ils ont pas eu peur? Pourquoi? 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 L'important, c'est qu'on ait le pognon, non? Non! L'important, c'est la peur! On est les Dalton, on est bêtes et méchants! Si on ne fait plus peur, on sera plus que bêtes! Hein? Regardez! Ça sent la fricassée de bison aux champignons sauvages! Bon, on va leur faire peur. On va voir s'ils sont normaux, ceux-là! Aucune trace des Dalton. On a tourné en rond toute la journée. J'en ai plein des sabots. On ne pourrait pas se reposer un peu? S'il vous plaît, ça vous ennuierait de nous détacher. Oh. Les Dalton nous ont pris nos armes et nos chevaux hier, mais ils nous ont laissé nos vêtements. Ouais, ils étaient trop grands pour eux. Un vrai coup de chance. S'ils en voient un seul qui bouge, je le trouve comme une passoire. Moi aussi. Joe, on dirait des nous. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas peur de nous ce matin. Oh là là, quelle saleur sous ces masques. Hein? Oh, je sens qu'on va bien rigoler. La pause est finie, on recommence. Alors, comme ça on se fait passer pour nous? Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon... Chouic! Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais vous expliquer. Ils nous ont tout pris. Absolument tout. Mm-hmm. Les Dalton ont été aperçus à 30 km au nord. Hein?
Les Dalton ont été vus à 30 km au sud. Les Dalton ont été aperçus à 30 km à l'ouest. On a vu les Dalton à 30 km à l'est. Luc, je vous présente mes adjoints, les frères Milton. Merci pour ces précieux renseignements, messieurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Silence, les deux singes, je travaille. Demain, on va frapper là, là et là. On s'est fait les banques de Mayfield et de Bloomsville. Et nous, les banques de Rochester et de Maidstone. Oh. Et moi, j'ai volé une sucette à l'épicerie. Banque en une journée, ça c'est du rendement. Deux équipes de Dalton pour le prix d'une. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Hein? Nous sommes devenus des criminels. C'est pas bientôt fini les pleurnicheries, espèce de Dalton à la noix. Vous n'êtes qu'un rustre. Oui, c'est une honte de nous obliger à participer à vos forfaits. Nous sommes des artistes. Pas des bandits. Quand est-ce qu'on mange? Excellente question. Nous refusons de collaborer avec vous. Soit vous faites les acteurs, soit vous faites les danseurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oups, désolé. Et voilà, cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, hein? Tout va bien. Une limonade! Tu connais pas la dernière? Les Dalton ont attaqué les banques de Rochester et de Mayfield à la même heure. Tu veux dire qu'ils étaient à deux endroits différents en même temps? Ouais, c'est ce que je veux dire. Waouh, balèze. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils ont kidnappé les Looney et formé deux équipes. Hep. C'est $1 pour le verre. Un de ces quatre! Qu'est-ce que tu fais, Joe? J'écris une pièce de théâtre. Ah bon? Tu sais écrire maintenant, Joe? Les mille et une morts de Lucky Luke. Pièce en un acte de Joe Dalton. Ben moi, je sais toujours pas lire. Il y aura un rôle pour moi, Joe? Oui, Avril, il y aura un rôle pour toi. Ah, chouette alors! J'ai toujours rêvé d'être un acteur! Hé, les ringards! Vous avez fini? Oui, tenez. Tiens, regarde! Ah! Plaquez-vous! Lucky Luke est là! Après, mais range ton arme, imbécile! C'est juste un masque! Je t'ai mis un masque de Lucky Luke! Un masque? T'es sûr, Joe? Regarde, imbécile! Être ou ne pas être Lucky Luke? Là est la question. Ce garçon m'étonnera toujours. Bon, allez, assez perdu de temps, là. Que le spectacle commence! Si j'avais donné la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. C'est nul! C'est archi nul!
Arrête de zozoter, c'est insupportable! C'est congénital. La nature nous a voulu ainsi. C'est notre destin. Un Dalton, ça ne zozote pas! Un Dalton, ça fait peur! Ça terrorise! Je vais vous montrer. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre! Allez, on recommence! Jamais je mets la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. Les mains en l'air, Rascal! Qu'est-ce que t'attends? Mais fais-lui la peau! Tiens, prends ça! Oh non, pas comme ça! Il faut y mettre plus de cœur, plus de tripes! Pousse-toi, je te montre! Tiens, 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 et tiens, espèce de chale! Oh, ça fait du bien! Ça fait du bien! Aïe, 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 aïe! Alors, j'étais comment? T'es doué! J'ai presque cru! Allez, on reprend depuis le début! De la concentration! Lucky Luke, mort violente, numéro 17. C'est ma préférée! Joe, c'est de la vraie dynamite ou de la fausse? Quel acteur! C'est à elle! Il ne reste plus que deux villes dans la région à ne pas avoir encore été pillées par les Dalton. Parkville et Clarkville. Autrement dit, à Montville Joly, il n'y a plus qu'à les attendre et à les cueillir. Il n'y a plus qu'à. Les Dalton pillent simultanément la diligence de Santa Fe et le train de la Western Union. 10e attaque simultanée des Dalton. Hier, ils ont dévalisé la National Bank de Jericho et en même temps pillé un convoi d'or dans le Missouri. Un exploit sans précédent. Les Dalton ont été officiellement reconnus comme les braqueurs les plus rapides de tous les temps et entrent dans le livre des records. Bienvenue à Parkville, étranger. 3 boîtes de corned beef, s'il vous plaît. J'ai dit 3. Quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Pourquoi vous prenez pas la 4e? Je suis fâché avec le chiffre 4. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train d'attaquer la banque de Clarkville. Mais pas du tout, Joe. C'est vous. Nous, on devait attaquer Parkville. On est où ici? À Parkville? Joe s'est trompé. Je me trompe jamais, même quand je me trompe. Que les frères Looney s'avancent et enlèvent leurs masques. Dégarpissés. Allez, en route. Vous retournez au pénitencier. Je crains fort que vous ne vous soyez fait berner, monsieur Luc. Nous ne voulions pas, mais ils nous ont oubliés. Oh. Défais ton ceinturon, Luc. T'es tombé dans le piège, Lucky Luke. Et maintenant, les Looney et toi, vous allez nous donner une petite représentation privée. Nous sommes désolés, monsieur Luc. Vraiment désolés. Voilà, assez blablaté. Joseph, prépare-toi à jouer le rôle de ta vie. L'exécution de Lucky Luke. Nous sommes des artistes, monsieur Dalton. Pas des assassins. Et vous pouvez toujours nous faire danser. Dégagez les ringards! Finalement, ça sera beaucoup plus drôle si je le descends moi-même. Tiens, au fait, où est Avril? Je sais pas, il était là tout à l'heure. Avril! Avril! Je suis là, Joe! Avril?
la mort de Lucky Luke. C'est mon rôle à moi, Joe. J'étais tellement dans la peau du personnage que j'ai pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Je suis 10 fois plus crédible que lui dans ce rôle. T'as dit toi-même que... Qu'est-ce que t'as fait du vrai Lucky Luke? Je l'ai libéré, bien sûr. Il m'a promis qu'il n'essaierait jamais de prendre ma place. Je vais l'étrangler. Je vais l'étrangler. On l'a pas répété, celle-là. Hop, hop, hop. Vous réglerez vos querelles familiales au pénitencier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le connais. Cet imbécile a tout gâché. En tout cas, les Dalton, pour nous, c'est fini. D'abord les Dalton et 8 jours plus tard les frères James, on est vraiment maudits. J'ai croyé que les frères James étaient 2 seulement. Commence pas à chipoter. C'est tout ce qu'on a, on est un peu à sec en ce moment. Les frères Looney ont la joie d'interpréter leur nouveau rôle, le gang des frères James. À cause de vous, notre ville est ruinée. Mais on va arranger ça. Laissez-nous! Nous n'avons rien fait! Non! Ras-le-bol de la vie d'artiste. C'est décidé, on change de métier. Pour faire quoi? Je sais pas. Orthophoniste, peut-être? Joe, je peux enlever mon masque? J'ai trop chaud! Non! Ça me console de voir Lucky Luke casser des cailloux avec nous! Drôle d'aventure, hein, Jolly? Cette fois-ci, on a vraiment dû se mettre en 4 pour les attraper, ces maudits Dalton. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Pom 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 pom. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Miss Deal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Ah.
Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste ? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée ? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non ? Ils sont nés en captivité, monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalé ! Popo, Azalé ! Au pied ! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine, spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons, il y a de nouveau les bisons. On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiente de sconce, c'est un faux. Vous savez, monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques, nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce refus n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalé, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Laissez faire, les gars! On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalé, je m'occupe de Popo! Oh, oups! Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nul. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi.
va voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà! Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru! Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient! Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, Monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute! Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi. Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines. Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Viande des lunes en passé. Depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. Patatatata ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur. Enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayons
Des bisons ? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas, tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudents, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Ben, où sont-ils passés? Popo, Azalée! Le chien-chien, le gros chien, couchien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, Monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, Monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop, j'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, Monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter! Je sais, je sais! C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo, Azalée. C'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée. C'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles. Pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Wow,
bison. Frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là ! Oh ! Grande carcasse ! Oh oh. Pardon, vous auriez pas une petite place ? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Oh Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro! Jean-Luc! Figaro! Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux ? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein ? C'est ma ruine que tu veux louer ? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée ? Les bisons s'abroutent. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire part de naissance ? Monsieur Luc ? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John John Misdeal. Deux tofu et trois pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy.